François Berléand. Parlez-nous un peu de la mode. Oui. Oui, de la mode et de vous. Écoutez, moi, j'ai, à vrai dire, je n'ai plus vraiment de taille mannequin, comme vous l'apercevez, donc je ne peux plus m'habiller comme je voudrais, par des grands faiseurs. Donc c'est vrai que maintenant, bon, je suis un peu... je me contente de mettre un pantalon comme ça. Moi, j'aime bien quand c'est un peu... Non, à l'aise. Ouais. Voilà, comme ça. Enfin, mais pas les jeans serrés, parce que j'arrive pas. Mais... Je peux plus. Mais si je suis serré, ouais, ça va. Ça va se voir. Ouais, ça va se voir que je. Donc, de plus en plus. Non. Voilà. Mais par contre, j'ai un rapport avec la mode, parce que j'aime que j'ai une compagne qui s'habille. Voilà, qui aime bien le milieu de la mode, donc voilà, qui s'habille dans des choses, avec Dries Van Noten avec les couturiers les flamands et tout ça. Et ça me plaît beaucoup. Mm-hmm. Voilà. On aura peut-être l'occasion de nous croiser sur le défilé alors. Ah non, moi jamais. Je vous jamais. Non, jamais, parce que alors j'ai trop de choses à faire. Si je vais en plus à un défilé. Non, Ah non, parce que là, ça j'aime pas. Voilà. Vous aimez pas ça. Ça, j'aime pas les défilés. Ça, j'aime pas ça. Il y a beaucoup de monde. Puis je sais pas, ça fait celui qui a envie de. Alors je préfère les voir à la télé. D'accord. Oui, parce que finalement, ça fait celui qui a besoin d'être vu. Comme moi, je vais pas m'acheter une robe ou un truc. Non, mais non. Donc, effectivement. J'ai rien à faire avec les défilés de mode. Et lors des Et j'aime pas les défilés de mode hommes. Oui. Bah, parce que. Ils sont parfois un peu mieux. Je ne peux rien mettre. Ah, oui. Le problème, c'est que ce sont des bons mecs. Ils ne comprends pas, d'ailleurs. C'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de bons mecs. Il y en a. Mm-hmm. Ils se cachettent. Ceux qui achètent chez les compagnies, en général, ils ont beaucoup d'argent, mais et donc ça veut dire qu'ils ont... Pourquoi on va pas s'habiller. Donc, faire gaffe. Enfin, il faudrait prendre des gros, des... et pas des mannequins. Des gens normaux. Des gens normaux, voilà. Des gens normaux.